Frères et sœurs, bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue également à ceux et celles qui nous suivent par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voici comment nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus-Christ. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Mes bien-aimés, ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous aviez dès le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, ce commandement que je vous écris est nouveau. Il est vraiment en Jésus et en vous, puisque les ténèbres sont en train de disparaître et que déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est encore maintenant dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a pour lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Parole du Seigneur. Ensemble, joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations, voici la gloire d'Israël. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, mes yeux, dit le vieillard Siméon, ont vu ton salut, lumière pour les païens et gloire de ton peuple Israël. Ces paroles nous font percevoir la puissance prophétique de Siméon. Il voit arriver au temple un jeune couple modeste qui ne pouvait offrir que deux petites colombes. Mais en prenant leur bébé dans ses bras, le vieil homme dit ce que nous devrions tous et toutes dire quand nous pensons à Jésus. Mes yeux voient le Messie, le salut de Dieu. Après Siméon, c'est la prophétesse Anne qui s'exprime. La vieillesse de l'Ancien Testament contemple l'enfance du Nouveau Testament.
Ce jour-là, averti par l'Esprit, Anne éclate en louange. Elle pressent que le bébé que Marie et Joseph viennent présenter est celui qu'Israël attendait. Au fond, l'incroyable de l'incarnation, ce n'est pas qu'elle est mystérieuse, c'est qu'elle passe inaperçue. Inaperçue. Même notre façon de célébrer Noël se dilue dans la joie des petits et dans plus de bonté envers les pauvres. Noël n'est pas ce que la prophétesse Anne voyait, c'est-à-dire l'amour même de Dieu dans les bras de Marie, sous le regard fasciné de Joseph. Frères et sœurs, nous avons besoin de tous ces yeux de Noël, ceux de Marie, de Joseph, des bergers, des mages, de Siméon et d'Anne. Ils nous aident à aller jusqu'au plus profond du mystère. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cœur du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ô Saint,
soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.